Aujourd'hui, je vous montre un exercice qui stimule la force des muscles qui sont situés derrière les cuisses, notamment les ischio-jambiers, les fessiers et beaucoup d'autres muscles. Ces muscles, lorsqu'ils sont en santé, protègent aussi les articulations, les genoux, les hanches, le bas du dos et c'est important de les stimuler. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR qui sont dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement les codes qui sont situés dans le chapitre sur l'obésité. Parce que oui, quand on contracte nos muscles, il y a des avantages biomécaniques, ça stimule le mouvement par exemple, mais ça a aussi des avantages métaboliques. Je vous l'ai souvent dit, les muscles sécrètent des myokines qui sont des substances bioactives. On n'en parle pas suffisamment de leurs bienfaits aux myokines, mais ils participent entre autres à notre santé métabolique. Alors je vous montre l'exercice. C'est un exercice qui est simple et qu'on peut, euh, peut aussi modifier pour Tirer différents avantages de, euh, de, du fait de stimuler les, ces gros muscles du corps. Alors, vous le faites couché sur le dos, allongé sur le dos, les bras levés pour stimuler la stabilité du mouvement, les genoux pliés, les pieds, le pied droit au sol et le pied gauche placé sur le genou droit ou l'inverse. Et la distance entre les talons et les fesses devrait être de 10 à 20 cm environ. Et vous l'avez vu, vous levez les fesses, mais avant vous basculez le bassin de façon à diminuer la courbure du bas du dos, puis vous levez les fesses et vous maintenez, comme vous le voyez, la position de 30 à 60 secondes. C'est un exercice aussi d'endurance. Et pendant que vous maintenez la position, vous ne cambrez pas le dos. On ne veut pas voir la courbure du bas du dos. Euh, augmenter, mais idéalement, on voudrait la voir disparaître ou en tout cas être diminuée. On veut avoir une bascule postérieure, une rotation postérieure du bassin. Et après avoir tenu la position 30 à 60 secondes, on revient à la position de départ, puis on l'exercice évidemment de l'autre côté si vous faites l'exercice pour des raisons de rééducation et vous voulez surtout vous concentrer sur un côté moi je vous invite vraiment à faire l'exercice des deux côtés pourquoi on lève les bras pour stimuler la stabilité si on maintient les bras au sol bien nos mains même inconsciemment pourront réajuster un peu la répartition du poids pourront aussi nous aider à, à se lever et on veut vraiment euh, stimuler les muscles qui sont situés derrière les cuisses. Alors c'est un exercice qui est simple. Pour modifier le, la stimulation des muscles, on peut éloigner le talon des fesses ou les talons des fesses parce que vous pourriez faire l'exercice sur les deux pieds. En faisant cela, on stimule davantage les ischio-jambiers, les muscles qui sont situés derrière les cuisses. Et lorsque les talons sont très très près des fesses, on stimule davantage les muscles fessiers, donc les muscles qui sont près qui sont près de la hanche plutôt que près des genoux, ces muscles ronds qu'on connaît. Et c'est une façon donc de non pas augmenter ou diminuer le niveau de difficulté d'une certaine façon, mais c'est une façon de faire travailler d'autres muscles. Pour diminuer le niveau de difficulté, on peut placer les mains et les bras au sol, ça nous aidera. On peut aussi placer un ou deux coussins sous les fesses, ça nous aidera à à réduire l'amplitude du mouvement et ce sera probablement beaucoup plus facile. Alors, c'est deux, deux trucs qu'on peut, deux astuces qu'on peut mettre en pratique pour diminuer le niveau de difficulté et pour augmenter le niveau de difficulté, ben on peut mettre un poids sur notre bassin. Si on a des haltères à la maison, mais ben, on peut les utiliser et les, les, les placer vis-à-vis -vis notre bassin, ce sera plus difficile. Lorsqu'on éloigne le talon des fesses, comme je vous le proposais, on stimule davantage les ischio-jambiers, mais ça demeure quand même plus difficile à faire, donc en éloignant le talon des fesses ou les talons des fesses, on augmente le niveau de difficulté. Vous pouvez bien sûr faire l'exercice sur les deux pieds, mais l'idée c'est de maintenir la position 30 à 60 secondes. Si jamais vous avez des crampes, en faisant l'exercice, c'est probablement parce que l'exercice est trop difficile, parce que c'est trop exigeant, il faut réduire le niveau de difficulté. Donc, je vous ai déjà donné des conseils pour réduire le niveau de difficulté et vous pouvez aussi réduire la durée, euh, durée le nombre de répétitions que vous allez faire et vous pouvez aussi réduire l'amplitude du mouvement. Vous pourriez faire, au lieu de lever au complet, ben vous pourriez lever à 50 Et on n'oublie pas... Avant de lever les fesses, on fait une bascule du bassin vers l'arrière pour effacer le creux du bas du dos et ça change tout. Ça évite notamment de surutiliser les muscles du bas du dos et lorsqu'on le fait, lorsqu'on les surutilise, Parfois, ça déclenche la douleur. Mais normalement, cet exercice-là ne devrait pas causer de douleur. D'ailleurs, comme tous mes autres exercices sur ma chaîne et dans mon livre, il n'y a aucun exercice qui doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la rééducation, soit un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que mes conseils vous seront utiles. J'espère que l'exercice sera utile. Je vous invite à le faire trois à quatre fois par semaine. Idéalement, d'intégrer cet exercice-là à un programme d'exercice. Vous allez en trouver sur ma chaîne, vous allez en trouver dans mon livre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. peace